et les gens qui criaient si fort pour essayer de s'entendre. Ils avaient du mal à s'arrêter de parler. Sans doute voulaient-ils se donner l'illusion de faire un voyage comme un autre. Ou évacuaient-ils ainsi leur peur de la traverser vers l'inconnu ? Toutes ces voix, ces langues mélangées, créaient une cacophonie sans nom qui allait se heurter au plancher du pont au-dessus de sa tête avant de revenir vers elle, amplifiée de mille heures et intonations. Au bruit, il fallait ajouter les odeurs, celles âpres, lourdes, nauséeuses du gasoil se mêlaient aux relents de poissons pourris qui étaient restés collés à la charpente de la cale, à chaque planche, chaque interstice. On aurait pu la laver des jours durant à l'eau de Javel qu'elle en resterait imprégnée. Le bouquet était complété par les effluves rances des corps, l'haleine de mammouth de plus d'un, faute de se brosser les dents ou à force de ruminer les remontées acides dues à la faim. Les passagers étaient collés les uns aux autres dans un enchevêtrement inextricable. Bouger s'avérait impossible, à moins d'un effort titanesque pour s'extraire de la masse des corps, les enjamber, piétiner enfants, femmes et hommes, emmêlés dans un embrouillamini sans pareil. L'air entrait dans la cale par l'écoutille restée ouverte, mais pas en quantité suffisante pour soulager les narines de tant de pestilence. Sous inspiration, j'ai envie de dire tout, tout vraiment. On parlait tout à l'heure de mon métier, de ma formation de journaliste. Donc, c'est-à-dire, je lis beaucoup la presse. Je commence ma journée par la lecture de la presse. Donc, forcément, il y a un certain nombre de choses qui viennent. Mais je n'écris pas. Par contre, j'ai envie de dire sur l'actualité, en roman. Peut-être plus en poésie, il peut y avoir... Je réagis tout de suite par rapport à l'actualité en poésie. Mais en roman, ce qui paraît, par exemple, même un roman comme Mieux Méditerranée, ce qui paraît un roman sur l'actualité, en fait, n'est pas un roman sur l'actualité. Et, comme tout écrivain, j'ai des questions qui m'habitent depuis très longtemps et qui reviennent, qui vont, qui viennent. Et par exemple, un roman comme Mieux Méditerranée, ce n'est pas seulement la tragédie de ceux et celles qu'on appelle les migrants aujourd'hui. C'est pour moi, et en tant que Caribéen, j'ai envie de dire, un voyage qui est fondateur de ce que nous sommes dans les pays de la Caraïbe, c'est-à-dire que les bateaux négriers, par exemple. Et quand je vois des gens traverser la Méditerranée dans ces conditions-là, dans les conditions qu'on connaît, ça me rappelle, ça me ramène forcément à l'arrivée des Africains sur le continent américain, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles ils ont voyagé. Donc c'est quelque chose qui est là, qui est en moi, et depuis très très longtemps. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, je suis aussi d'une génération où, dans les années 80, il y avait ce qu'on appelle les boat people. Et pour nous, en Amérique, donc sur le continent américain, les principaux boat people, c'était les Haïtiens et les Cubains. Et forcément, l'actualité vient réveiller quelque chose qui dormait, qui sommeillait. Et donc du coup, c'est comme un dialogue entre l'actualité et puis ceux qui m'habitent depuis 30, 40 ans, en fait. À l'intérieur de cette tragédie-là, je vais toujours à la recherche, j'ai envie de dire, ou à la pêche et de la générosité et du bonheur, entre guillemets, le fait de tendre la main aux autres alors qu'on n'est pas forcément obligé de le faire. Donc, mais ça reste un moteur puissant. Et les tragédies aussi participent de l'histoire avec un grand H. Et on sait forcément bien que l'histoire aussi participe de notre identité en tant qu'être humain, en tant qu'individu. Et pour moi, il n'y a pas cette frontière aussi nette entre le personnage fictif et le personnage réel. C'est-à-dire, à partir du moment où j'écris un roman, le personnage, pour moi, il est réel. Il n'est plus fictif. C'est-à-dire que je suis dedans, je vis avec. Dans un roman comme Mieux Méditerranée, j'étais vraiment dans l'histoire pendant des mois et des mois. Et j'en suis ressorti secoué, et surtout pour les scènes où les personnages s'étaient retrouvés dans la cale, et donc qui étaient enfermés. Donc j'ai ressenti cette claustrophobie avec ces personnages-là, et d'autres personnes, des lectrices ou des lecteurs, m'ont dit avoir ressenti
exactement la même chose. Donc si ces gens-là ont pu le ressentir, c'est parce que moi aussi, je l'avais ressenti et que j'ai pu le transmettre de cette façon. Et la fiction, c'est ce qui va me permettre, d'une part, d'être plus libre, mais la fiction vient aussi, d'une certaine façon, combler les failles, j'ai envie de dire, de l'histoire, et les silences de l'histoire. Là où l'histoire, un historien ne peut pas s'avancer, il va dire que moi, si je n'ai pas d'éléments, je ne peux pas raisonner. J'ai besoin de savoir les faits, quels sont les faits. Alors que nous, on se rend compte, justement, il y a des périodes, des zones d'ombre ou de silence, et bien c'est là que s'engouffre le romancier pour pouvoir créer, j'ai envie de dire, une autre réalité ou un autre réel, quoi. Au milieu des voyageurs du dessus, Dima et sa famille. Le bateau lancé, chacun avait réussi tant bien que mal à se faire une petite place, calée entre deux paires de jambes ou contre la rambarde. Le regard de Dima tomba à ce moment-là sur deux znugés assis à côté d'elle. En plus de la mettre de mauvaise humeur, cette proximité non souhaitée lui ramena à l'esprit l'altercation avec la négresse au moment de monter à bord. L'impertinence de la Zenjiyeb avait encore du mal à passer. Sa face de... Elle chercha le mot sans oser le prononcer alors qu'elle l'avait fait auparavant. Était restée imprimée dans sa mémoire. La négresse n'avait pas intérêt à se remettre sur son chemin. Elle lui cracherait à son visage de... N'était la clarté de la lune ? La présence des nugés sur le pont lui aurait échappé. Elle les croyait tous relégués dans la cale. Jusqu'au bout, le sort ne lui aurait rien épargné, pensa Dima. C'était la première fois qu'elle en côtoyait de si près. Elle en avait aperçu quelques-uns, à distance raisonnable, dans les rues de Tripoli. Elle n'avait rien de particulier contre ces gens, mais leur présence l'incommodait. Ils parlaient fort et ricanaient pour un rien. Il n'y avait pas de quoi rire à patauger dans une telle promiscuité, pareil à des chameaux dans un marché de bédouins, à sentir les effluves de poissons avariés de leurs aisselles. Était-ce leur odeur naturelle ? S'interrogea Dima. Alhamdoulilah, la brise du large venait de temps à autre soulager ses narines. Plutôt le froid, dont on pouvait se protéger, que ces relents de porc. Que dirait-elle à ses filles quand elles se réveilleraient ? Anna et Shaima s'étaient endormies à peine le navire avait-il levé l'ancre. Comment leur expliquer, à elles, qui avaient été habituées au meilleur depuis leur naissance, le fait de voyager dans ces conditions ? Son mari, lui, semblait trouver normal d'être assis au milieu des Znudji. Il avait adressé la parole, en anglais, à l'un d'eux, qui lui avait répondu dans un parfait arabe littéral. Dima devait le reconnaître. Pour le coup, cela rendait impossible tout échange intime avec Hakim. Au bout d'un instant, elle cala les filles au creux de ses épaules, de façon à avoir ses bras à mi-chemin entre leurs fesses et leurs cuisses. Allez savoir ce dont étaient capables ces mécréants, si accablés de fatigue, elle relâchait sa vigilance. Les enfants s'adorent d'un sommeil profond n'importe où. Ce n'était visiblement pas sur son mari qu'il fallait compter pour les surveiller. Il faisait trop confiance aux inconnus, Hakim. Elle pria Allah, béni soit son saint nom, de ne pas la laisser succomber au sommeil, afin de continuer à garder un œil sur ses biens les plus précieux. J'ai un certain nombre de questionnements qui m'accompagnent depuis longtemps. En tant qu'être humain, ils sont avec moi de manière sous-jacente, hein, mais puis de temps en temps, ça remonte à la surface, et puis il peut y avoir un élément qui vient déclencher et le transformer ou les transformer en roman. J'étais déjà sensibilisé à tout ça. Et forcément, comme je l'ai dit
tout à l'heure, ça m'a renvoyé d'une part à l'histoire des boat people des années 80 et d'autre part à l'histoire des esclaves africains qui vont arriver dans les Amériques. J'avais envie qu'il y ait une forme d'écho, vraiment faire quelque chose de choral hein, entre et cette période d'aujourd'hui et la période des années 80. Après, ça m'a paru trop complexe et comme structure et du roman. Je me suis dit, tiens, il faut trouver quelque chose qui se déroule uniquement au Vuidon. J'ai commencé à faire des recherches et je suis tombé sur cette tragédie d'un chalutier. On en avait beaucoup parlé en Italie, on en avait beaucoup parlé aussi au Danemark parce que les occupants avaient été sauvés par un pétrolier danois. Donc à partir de là, je me suis dit, tiens, ça, c'est quelque chose qui me parle parce qu'on était sur ce bateau-là dans la réalité, et j'en ai rajouté dans le roman forcément, dans une espèce de bateau-monde où il y avait des classes, où il y avait des gens qui étaient dans la cale, et les gens qui étaient sur le pont. Et puis moi, j'en ai rajouté une troisième classe avec des gens qui se trouvent dans des petites cabines. Et donc, on a un bateau-monde avec trois religions différentes, les fameuses trois religions monothéistes, et avec des problèmes de classe, des problèmes de race aussi, donc de tension entre ceux qui sont sur le pont, qui sont en grande partie, comment dire, maghrébins, et ceux qui sont dans la cale, qui sont en grande partie subsahariens. À rien. Donc cette histoire me dit, tiens, ça m'a sauté aux yeux. J'ai voulu que ce bateau soit une espèce d'arche de Noé, d'une certaine façon. Et plus que Ado de la Méduse, mais d'arche de Noé où vraiment on a toute l'humanité qui se retrouve sur ce bateau, en fait. La moitié des migrants, ce sont des migrants. On en parle très peu. Peut-être de manière consciente, pour certaines personnes, plus souvent de manière inconsciente, on nous montre toujours des masses d'hommes qui arrivent ici, c'est peut-être plus menaçant. Et pour ceux qui sont ici, ce sont des barbares qui viennent sur nos côtes égorger nos femmes et nos enfants, comme dit la Marseillaise. Et pourtant, la moitié sont des femmes. Et j'avais envie de montrer ou de dire ce qu'elles ont vécu. On les voit souvent arriver avec des enfants au sein. Et ce ne sont pas des enfants, hein, la grande partie, ce ne sont pas des enfants qu'elles ont ramenés de chez elles. Ce sont des enfants qui sont le produit de viols en cours de route, hein, souvent. Et donc, j'avais envie de le montrer. Il y avait aussi à cœur, ayant été élevé par des femmes, et de montrer le rôle qu'elles jouent dans cette histoire-là, de leur rendre un hommage plus que mérité. C'est-à-dire, vraiment, on est dans la représentation de quelque chose qui est souvent invisible. Donc moi, je voulais le rendre visible, en fait. À partir du moment où je l'ai créé, je vis avec, je vais vivre avec pendant plusieurs mois, et dans ce cas précis, presque un an et demi. Et pour moi, elles ont été complètement réelles, en fait, parce que c'est la somme de tout ce que j'ai pu lire ou entendre. Pour écrire ce roman, j'ai été à Lampedusa, la petite île italienne, j'y suis resté 5 semaines, et où j'ai pu recueillir aussi des témoignages de migrantes, de femmes réfugiées. Souvent, un personnage, c'est la somme de plusieurs choses. C'est la somme des histoires de ces femmes-là que j'ai pu entendre. C'est la somme de ce que j'ai pu lire aussi, ou ici et là, ou des documentaires que j'ai pu visionner, et ainsi de suite. Donc pour moi, ce sont, comment dire, des personnages réels. Ce ne sont pas des personnages nés à partir de rien. Non, je les ai créés à partir de quelque chose d'histoire, souvent réelle et vécue par des gens de chair et de sang, en fait. Tandis que les éléments se déchaînaient autour d'elle, avec moins d'animosité toutefois qu'au cours des heures précédentes, Dima repensa aux 29 mois écoulés, au long et tortueux chemin parcouru pour se retrouver assise là, adossée à la rambarde de ce navire en partance pour l'exil. Un mot dont elle peinait à imaginer la portée, tant elle était viscéralement attachée au pays natal. Un mot dénué de sens dans son cas. Elle s'était toujours tenue à l'écart de la politique, même à l'université,
où de grandes gueules se faisaient effort d'accuser sotto voce les Assad, père et fils, de tous les maux de la terre, parlaient de dictature à tout va. La plupart n'étaient pas des alépins de souche comme Dima, dont la famille possédait encore des biens immobiliers dans la vieille ville et avait emménagé voilà deux générations dans l'ouest plus huppé, où elle avait vu le jour. Ces énergumènes appartenaient à la populace installée à l'est d'Alep depuis moins d'une génération. « Les temps changent », répétait souvent son père, paix à son âme. S'il y a bien une chose que les Assad, père et fils, ont apporté à la Syrie, c'est la libération de la femme. C'est loin d'être le cas dans tous les pays autour de nous. Tu aurais tort de t'en priver. Les Assad avaient-ils contribué à l'émancipation de la femme, comme le croyait son papa? Ou était-ce un acquis social, fruit de la lutte des femmes et des hommes progressistes du pays, que le régime baasiste avait été obligé d'assumer afin de damer le pion aux imams? Elle n'en savait fichtrement rien. Elle entendait néanmoins en profiter. Et comment? Elle n'avait fait que ça depuis son plus jeune âge. J'ai eu la chance, souvent je dis ça, ça paraît rigolo, c'est pas rigolo, de perdre mon père il y avait quelques mois. Donc ma vision, ma représentation du monde, elle est complètement féminine, en fait. Et j'ai grandi avec ces femmes-là, qui ont fait de moi ce que je suis, dans le bien comme dans le mal, j'ai envie de dire. De par mon histoire, de par, comment dire, mon vécu, je sens, plus que je sais, je sens un certain nombre, comment dire, de choses. Donc, forcément, peut-être que ça apporte un petit peu un plus, je n'en sais rien, mais un auteur ou une auteure n'a pas forcément besoin d'avoir une éducation comme celle que j'ai reçue pour pouvoir se mettre dans la peau. Et il y a ce qu'on appelle l'empathie, justement, ça nous permet de nous glisser dans la peau des autres. Donc il y a cette capacité, je pense, qu'un artiste ou un écrivain doit avoir, c'est de pouvoir se mettre dans la peau, littéralement, dans la peau des autres, en fait. Dans ce cas précis, en tant que Caribéen, nous sommes le produit d'histoire, de culture, de civilisation, mais de lieux différents. C'est-à-dire que nous sommes le produit de l'Afrique, nous sommes le produit de l'Europe, et nous sommes le produit aussi des autochtones qui étaient sur place. Donc il y a des lieux différents qui se rencontrent. Et l'écrivain cubain Alejo Carpentier disait que c'est le lieu de la rencontre de trois grandes civilisations, qui sont les civilisations amérindiennes qui arrivent sur place, les civilisations européennes et les civilisations africaines. Donc on a des lieux déjà qui se rencontrent. Donc ça, c'est l'élément historique qui participe de notre identité. Mais il y a un deuxième élément qui est aussi un élément personnel. On a de la famille partout. On a de la famille au Canada, on a de la famille aux États-Unis. Donc il y a des lieux. Donc, on vit entre ces lieux-là. On vit entre ces trois lieux. Aujourd'hui, je suis en Europe, je suis en France, mais ma vie est aussi aux États-Unis parce que j'ai de la famille, et aussi au Canada parce que j'ai de la famille, et aussi en Haïti parce que j'ai encore de la famille. Donc forcément, je ne peux pas écrire à partir d'un seul lieu. Je disais souvent ceci dès mon premier roman, que j'écris aussi à partir du temps. Et pour moi, l'enfance étant un des lieux, parce que le temps est lieu dans ce cas précis, l'enfance est aussi un lieu d'où j'écris souvent. C'est pas par hasard que, justement, mon dernier recueil de poèmes, Cantique du balbutiement, parle de l'enfance. Ou parfois, dans mes romans, il y a souvent peut-être un moment où je parle de l'enfance du personnage, donc ou de l'adolescence du personnage. Donc, c'est pas uniquement, j'ai envie de dire, les siècles passés. Mais dans une même vie, nous sommes aussi le condensé de plusieurs temps, de plusieurs époques. Donc c'est tout ça que j'essaie de traduire dans un roman, par exemple. C'est une mère, d'abord, institutrice, qui disait toujours des poèmes à haute voix à la maison. Donc, quelque part, elle a contribué à me sensibiliser à la littérature. Donc ça, c'est la première chose.
Et j'imagine que, comme dans toute écriture, il y a une part de séduction. Forcément, j'imagine que quand j'ai commencé très jeune à écrire, il y avait peut-être inconsciemment chez moi cette envie de la séduire. En Haïti, on a hérité d'une longue tradition de poésie engagée. Donc moi, je suis né, j'ai grandi sous une dictature. Du coup, pour moi, c'était une manière de participer en fait au combat contre cette dictature-là. Donc adolescent et avec une conscience politique très aiguë et très très tôt. Donc du coup, les premiers poèmes, c'était ce qu'on appelle des poèmes engagés. Les auteurs que je lisais, c'était des auteurs engagés. Ce sont les deux paramètres peut-être que je peux identifier de manière évidente hein, qui m'ont amené vers l'écriture. Mais bien entendu, ça ne suffit pas. S'il n'y avait pas en moi une envie de dire les choses de cette façon-là et pas d'une autre, je pense que je n'aurais pas tenu le coup. On était le vendredi 10 février 2012. Dima s'en souvenait très bien. Il y eut d'abord les deux attentats à la voiture piégée qui firent des dizaines de morts et des centaines de blessés. Pour le coup, la télévision d'État avait montré les images des rescapés, le visage en sang, errant dans les rues, déboussolés, dans l'intention manifeste de ranger la population du côté du pouvoir. Chaque clan accusa les autres d'être à l'origine du carnage. Depuis ce vendredi sanglant, la vie dans la ville ne fut plus la même. Les alépins marchaient la tête tournée par-dessus l'épaule, s'éloignaient au plus vite de toute voiture garée longtemps au même endroit, avec ou sans conducteur derrière le volant. Les alépines rangèrent aux oubliettes leur démarche langoureuse qui portait les hommes à arrêter leur activité tout à fait cessante pour les regarder passer. 5 mois après l'attentat, les rebelles attaqués à Alep par le quartier sud de Salah Eddin. Le pouvoir réagit en déployant des troupes, des chars d'assaut et des blindés dans toute la ville. Dima n'avait jamais vu autant d'engins de guerre de sa vie. Puis les Russes, les Iraniens et les Occidentaux s'en mêlèrent. Les bombes les plus improbables commencèrent à pleuvoir du ciel comme des boules de feu annonciatrices de la fin du monde. On entendait des vrombissements d'avions et d'hélicoptères sans plus savoir d'où ils tiraient, de quel ciel, de quelle légitimité. Si c'était d'Al-Shaitan ou d'Allah. Ajoutez à cela les renégats de Daesh qui s'infiltraient partout. Les rebelles de l'armée qui firent défection avec leurs armes lourdes et leurs tanks. Les alliances et les contre-alliances se multiplièrent à en perdre son arabe sacré. Ces colons d'Israéliens aussi se mirent de la partie et firent péter leurs missiles sur Alep pour dégommer, dirent-ils, le Hezbollah. La population était canardée de partout, pareille à des vulgaires marcassins ou d'autres animaux harams. Dima ne comprit plus rien. Le mot exil, c'est un mot que j'emploie très peu, ou avec beaucoup, beaucoup de précautions, et quand il s'agit vraiment d'exil. C'est-à-dire que dans le cas d'un roman comme Mieux Méditerranée, effectivement, il y a deux des personnages, Dima et la Syrienne, et puis Semar l'Érythréenne, qui, effectivement, vont partir en exil. Parce qu'à partir du moment où Dima quitte son pays, elle sait qu'elle ne peut pas revenir. Semar aussi, et sait qu'elle ne pourra pas revenir. Mais Shoshana, elle peut. Elle peut revenir. On a tendance parfois, pour nos autres auteurs caribéens, surtout plus haïtiens, à parler tout de suite d'exil. Donc moi, et encore une fois, étant né et ayant grandi sous une dictature, l'exil, j'ai tendance à l'associer à une forme de bannissement politique. C'est-à-dire qu'on t'interdit de rentrer chez toi. Tu es coupé, et, comment dire, de ton pays et natal. Donc moi, je n'ai pas connu d'exil à ce niveau-là, en tant qu'individu. Mais c'est vrai que donc, dans toutes les familles, dans tous ces pays-là, on a eu forcément des amis, des parents qui se sont retrouvés en exil à cause de la dictature. Ce qui m'intéresse, c'est ces grands déplacements humains, donc qui peut être
la migration, qui peut être le produit de l'exil aussi. Peut-être parce que j'ai hérité d'une histoire de transplantés, hein, donc de gens qui sont venus d'ailleurs, parce que les autochtones ont été décimés dans les Caraïbes, donc ceux qui sont venus, ce sont les Européens qui sont venus sur le pont du bateau et qui ont amené les Africains dans la cale du bateau. Et en plus, on n'a même pas fini de prendre racine, dans le cas, encore une fois, des écrivains haïtiens, que les conditions économiques et parfois politiques vont forcer les gens à repartir ailleurs. Je parlais tout à l'heure de générosité, et c'est ce qui, quand on arrive quelque part sur une terre qui n'est pas la nôtre, quels liens sont tissés, hein, entre les êtres humains, entre les individus, et ceux qui sont, entre guillemets, j'aimerais dire, les autochtones et les nouveaux arrivants. Et donc, comment ça se passe et tout ça, ce sont des choses qui me parlent et qu'on retrouve forcément dans mes romans et dans ma poésie. Parce que pour moi, il n'y a de littérature, j'ai envie de dire, qu'humaine. C'est-à-dire que humaine dans le sens où, justement, on tisse des liens entre les individus. Quand est-ce que l'être humain est capable de générosité, ou parfois du pire? Tout à l'heure, on parlait de tragédie, hein, donc l'être humain est aussi capable du pire. Mais dans ces grands mouvements, hein, de migration, d'exil, ou de déplacement pour des raisons climatiques, comme il peut y avoir dans un roman comme New Méditerranée, Shoshana, la Nigériane, fuit pour des raisons climatiques. Donc, et il y en aura de plus en plus, avec le réchauffement de la planète. Donc, on se dit, comment les gens vont réagir? Est-ce qu'il y en a qui vont rester sur place et parce qu'ils s'accrochent à la terre qu'ils ont vu naître et ils vont aller ailleurs? Est-ce qu'on va bien les accueillir ou pas? Donc, ce sont tous ces mouvements-là qui m'intéressent et qui me parlent, forcément. La décision de s'en aller d'Alep prise, dès le lendemain, le couple entreprit de recueillir des informations pour les demandes de visa de réfugiés auprès de plusieurs consulats. Dans leur prospection, ils ne prirent pas en compte l'Australie, trop loin de tout. Les États-Unis furent aussi écartés. La distance n'était pas l'unique cause. Le rêve états-unien, si fascinant pour tant de Syriens, ne les inspirait pas. Idem pour l'Afrique, même avec le Maghreb en ligne de mire. Hakim connaissait trop bien sa femme pour savoir qu'elle ferait une crise d'urticaire au seul énoncé de ce continent. Pour eux, c'était l'Europe ou nulle part. À l'exception notoire des pays de l'Est, où la xénophobie, en particulier sous son visage islamophobe, était devenue d'une banalité à faire peur. L'arrivée de l'extrême droite au pouvoir dans plusieurs de ces ex-nations communistes avait exacerbé le rejet de l'autre. Les racailles d'Al-Qaïda et de Daesh leur offraient sur un plateau les excuses à leurs besoins de haine. Musulmane pratiquante, Dima ne portait le voile qu'à l'intérieur de la mosquée, comme recommandé dans le Saint-Coran. Au dehors, elle n'aimait rien de moins que lâcher en toute liberté ses belles boucles d'ébène sur ses épaules. Elle n'était pas prête pour autant à aller servir de bouc émissaire à des ignorants frustrés et pervers. Le couple raya également la France de la liste des potentielles terres d'asile. D'après des amis installés en Belgique, si de simples citoyens parmi les plus modestes savaient se montrer d'une grande générosité vis-à-vis des étrangers, les politiques, eux, passaient leur temps à se gargariser de mots. Pays des droits de l'homme par-ci, terre d'accueil par-là. Mais à la moindre tension sociale, il jetait la question de l'immigration en pâture à la vindicte populaire, relayée par des intellectuels frileux, au verbe haut, versés dans l'art de la courtisanerie. Sous prétexte de ne pas créer d'appel d'air, il restait plus enclin à accueillir les dictateurs déchus
que leurs victimes. Ou, dans le meilleur des cas, des artistes et des intellectuels dont la notoriété servirait à perpétuer le mythe d'une terre d'accueil. Dommage, fit Dima. Les filles auraient adoré vivre dans la ville de la Tour Eiffel, des Champs-Élysées, de l'Arc de Triomphe. La France, ce n'est pas que Paris, tu sais. Ne t'inquiète pas, on visiterait aussi Versailles, le Mont-Saint-Michel, les châteaux de la Loire, la Côte d'Azur, la cité médiévale de Rocamadour, déclina-t-elle en une série de stéréotypes. Ça doit être un beau pays, même si leur cuisine n'égalera jamais la nôtre. Je comprends, répondit son mari. Mais il faut être réaliste, Habiba. Tu avais dit toi-même qu'on irait là où on voudrait de nous. Et là, d'après les informations que j'ai pu recueillir, en plus de celles des Belges, ce n'est visiblement pas le cas. Ce constat établi, l'éventail des terrains d'atterrissage à la disposition de Dima et de sa famille se réduisait à une douzaine de pays tout au plus, où ils pouvaient espérer obtenir l'équivalence de leur diplôme après peut-être une mise à niveau, trouver du travail, un standing minimum. Ils se lancèrent avec enthousiasme et ingénuité dans la quête du précieux sésame qui leur donnerait le droit d'emménager en Europe en toute légalité. Ils avaient un savoir-faire professionnel, des économies, ils ne seraient pas à la charge de la société d'accueil. Ils parlaient tous les quatre anglais, et dans le cas de Dima, un peu de français. Toujours utile pour des pays comme la Suisse, la Belgique ou le Luxembourg. Ils avaient le profil du parfait réfugié de guerre. Leur demande fut refusée partout, souvent sans réelle explication. Au bout de leur vaine démarche, stressante, énergivore et somme toute coûteuse, le couple prit contact avec un réseau de passeurs qui lui assura de pouvoir faire entrer la famille en Europe à partir de Tripoli. On parlera argent plus tard. Pour l'heure, ils devaient penser à se rendre là-bas par leurs propres moyens, ce qui, par ces temps de conflit, n'était pas une mince affaire. Le cinéma, à la fin des, au début des années 70, donc je suis un gamin à Port-au-Prince, il y a ce qu'on a appelé à l'époque les drive-in en anglais, les cinémas, les ciné en plein air. Là où j'habitais, il y en avait un de l'autre côté d'un ravin où tout le quartier se réunissait le soir pour aller pour regarder, mais sauf qu'il n'y avait pas de son. Donc on voyait les images. Bien sûr, il y a toujours quelqu'un qui prétendait avoir vu le film pour faire, comment dire, essayer de faire la bande-son, mais ça, tout le monde était partagé parce qu'il y en a qui voulaient le silence, d'autres qui voulaient entendre cette bande-son naturelle. Mais en même temps, ça a développé, je pense, en moi, une capacité à me raconter une histoire uniquement à partir des images, c'est-à-dire sans le son. C'est-à-dire que, bon, autrement dit, avoir des images le plus précises possible. Pour moi, raconter, c'est inconsciemment, au début, peut-être maintenant de plus en plus consciemment, raconter, c'est aussi donner à voir et que les gens aient l'impression de suivre le personnage et de sentir vraiment, et puis les mots accompagnent tout ça. Et ce n'est pas par hasard, d'ailleurs, que dans la plupart de mes livres, il y a peu de dialogue. Il y en a, mais il n'y en a pas autant qu'on peut trouver dans d'autres romans. Donc il y a ce personnage-là, cette manière de faire, de raconter, qui me vient en grande partie de là. Du cinéma de l'enfance. Le fait que j'ai été journaliste, le fait d'avoir fait une thèse, etc., ça m'a amené à pouvoir faire des recherches, à être le plus précis possible. Et puis, aujourd'hui, on a une chance formidable, si c'est bien utilisé, qui est Internet et Google Maps. C'est-à-dire qu'on peut aller sur les lieux, voir les lieux. J'ai besoin parfois de visualiser
et pour pouvoir écrire. C'est-à-dire que si je ne visualise pas, pour certains passages, je n'y arrive pas. Je ne peux pas le faire à partir de rien. C'est peut-être, encore une fois, le côté écrivain réaliste, en fait. Et il faut vraiment que je sois le plus précis possible. Mais, en fait, je pense que tout est parti de ce rapport au cinéma dans mon enfance. En Haïti, mais pas uniquement en Haïti, j'imagine, il y a une transmission intergénérationnelle qui se fait tout le temps. Et il n'y a pas... Ce qui m'a surpris ici, par exemple... Pour les jeunes, c'est la notion, souvent on parle de classe d'âge. Hein. Souvent les enfants vont à l'école plus ou moins et au même âge. Hein. Donc du coup, ils se retrouvent entre eux et puis on va te dire que tiens, non, ça, ils vont jouer ensemble et ils vont faire, ça donner un certain nombre d'activités ensemble. Alors que moi, j'étais dans un pays où j'ai grandi, où même la notion de classe d'âge pour ceux qui vont à l'école, j'ai envie de dire, n'existe presque pas. Parce que l'école étant en grande partie à plus de 80% privée, donc certains parents envoient leurs enfants à l'école quand ils peuvent. Autrement dit, tu peux te retrouver dans une classe avec des gamins qui ont 2, 3 ans, 4 ans d'écart par rapport à toi. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et quand on se retrouve, comme on vit plus en plein air qu'ici, par exemple, on ne se retrouve pas avec les 8 ans, les 10 ans, les 12 ans. C'est-à-dire, gamin, quand on jouait au foot, on pouvait avoir 10 ans, mais il y avait dans l'équipe d'autres gamins de 15 ans ou d'autres de 18 ans. Et donc, on apprend. Donc il y a une transmission orale aussi qui se fait de cette façon-là. Et c'est comme ça qu'on se forme, c'est comme ça qu'on apprend. On apprend bien sûr dans les livres, on apprend bien sûr par l'éducation que nous transmettent nos parents, mais cette transmission intergénérationnelle se fait de manière presque naturelle. J'ai beaucoup appris, moi, et personnellement, de cette façon-là. Donc à partir du moment où j'ai commencé à écrire, j'ai toujours eu à cœur aussi de pouvoir transmettre une expérience de vie qui est la mienne. Parce que je crois que l'écrivain ou l'écrivaine ne peut transmettre que ce qu'il est. À partir de là, si d'autres personnes arrivent à se reconnaître dans cette expérience-là qui est la mienne, eh bien, comment dire, tant mieux. Mais c'est vrai qu'il y a toujours, du moins pour moi, une manière ou une autre d'apprendre des autres. Donc forcément, on a envie de laisser une petite trace. Et cette petite trace-là, c'est ce qu'on... Pour ceux qui n'écrivent pas ou ceux qui ne sont pas artistes, ils le font, par exemple, à travers leurs enfants ou bien par l'enseignement ou d'autres. Donc c'est ce qui permet de continuer, d'une certaine façon, la grande chaîne de la vie, surtout pour des gens qui ne sont pas croyants. Si on est croyant ou si on croit, par exemple, dans la réincarnation, on se dit, bon, c'est pas très important, entre guillemets, c'est pas grave, je reviendrai. Mais ceux qui ne sont pas croyants, eh bien, ils ont envie de continuer à tisser cette chaîne, en fait, de la vie sur Terre. Dima redoutait davantage l'incapacité à trouver les mots pour expliquer les raisons du départ aux filles. Voilà qu'elles allaient devoir plier bagages pour un ailleurs inconcevable à leur entendement, où il leur faudrait changer de langue, de perception du monde, établir d'autres rapports à leur environnement. À cet âge, même si la guerre avait précipité leur compréhension de la vie, Dima avait conscience de ne pouvoir tout leur dire. Ou alors avec des mots tellement simples qu'elle risquait de ne rien comprendre. Comment leur expliquer, par exemple, qu'elle ne devait pas ébruiter la nouvelle du départ auprès de leurs camarades de classe? Comment justifier tous les détours pour arriver en Europe où ils n'étaient même pas sûrs de pouvoir rentrer? C'est quoi la clandestinité? Après une énième nuit de discussion avec Hakim, ils convinrent de dire le moins possible, le plus tard possible. Moins elles savent, mieux c'est, avait conclu son mari. Trois jours avant le départ, elle fut bien obligée d'annoncer aux filles qu'ils partaient pour l'Europe, ces pays dont elles avaient vu les images ces dernières semaines. À tant vouloir les protéger,
Elle risquait de les voir se braquer contre toute idée de départ. Encore ? Y en a marre ? Pourquoi on peut pas rester chez nous comme les copines ? Elles ne partent pas, elles. Mais la nouvelle ne chamboula pas les filles plus que de raison. Depuis le temps que la mama leur parlait de l'Europe, elle trouvait normal d'y aller enfin. La petite voulut savoir s'il verrait le Père Noël, les indigènes, la grande, la neige, les ours, toutes ces choses exotiques. Dima répondit « peut-être », sans trop s'engager. « Ça dépendra du temps qu'on mettra pour arriver. » « C'est si loin que ça ? Aussi loin que l'Amérique ?» interrogea Anna. « Plus loin que pour aller sur la Lune ?» intervint à son tour Shaima. « C'est moins loin, » fit Dima. « Mais on devra faire escale à Alger, puis s'arrêter en chemin, à Tripoli, la capitale d'un pays qui s'appelle la Libye. »« C'est quoi une escale ?»« C'est quand on s'arrête. » pour changer d'avion dans un aéroport. Et pourquoi qu'on fait escale ? Parce qu'il n'y a pas de vol direct pour la Libye au départ de Damas. C'est où, la Libye ? En Afrique, Oubi. Ils sont noirs, alors ? Ils sont beaucoup comme nous, mon chaton. Comment ça se fait ? C'est une longue histoire. Tu nous raconteras un jour ? Oui, mon cœur. Ils parlent africain à Tripoli ? Il parle arabe, ma grande. Pourquoi ? Et pourquoi qu'on y va ? C'est Anna qui avait parlé, sans laisser à Dima le temps de répondre à sa sœur. Papa et maman ont des choses à régler là-bas. Vous pouvez pas le faire après ? Ou demander à tonton Adnan de le faire pour vous ? Comme ça, on irait plus vite en Europe, sans escale. C'est impossible, ma chérie. On doit y être nous-mêmes. Tous ensemble. Après, on reviendra à la maison, répliqua Shaima. À l'aéroport, après avoir enregistré les bagages, ils attendirent le dernier moment pour passer le contrôle de police. Un baiser en se tenant la main, puis Dima et Hakim s'enfuirent, ravalant les larmes qu'ils sentaient monter à leurs yeux. Entraînés par leur fille, impatiente, dont le regard était déjà tourné vers les ours et le Père Noël, vers l'ailleurs, vers demain. Oui, c'est Kundera, je crois. J'essaie de retrouver qui disait qu'il y avait toujours une part de comique, presque, dans n'importe quel élément tragique. Je ne l'ai pas formulé comme il l'a dit, mais il y a toujours cette manière de rire, quoi, de trouver le rire dans ce qu'il y a de plus tragique. Et puis, ça, comment dire, nous accompagne aussi en tant qu'être humain. C'est aussi une manière, à la fois pour moi, en tant que romancier, de prendre de la distance, mais c'est plus loin pour le lecteur ou la lectrice, une manière de distiller de l'espoir aussi. C'est-à-dire l'humour, c'est de la pudeur, c'est de l'ultime pudeur pour ne pas entrer jusque dans l'intimité tragique d'un individu. Mais c'est aussi une manière de distiller de l'espoir pour moi. Ça fait que si on peut rire, eh bien la vie continue. Dans Mio Méditerranée, c'est des gens qui ont vécu des histoires tellement atroces et que la foi, pour ces gens-là, c'est ce qui leur permet de se raccrocher, de s'accrocher plutôt à la vie. Parce que sinon, elles auraient baissé le bras ou elles se seraient laissées aller. Et dans les religions, pour ceux qui sont celles et ceux qui sont croyants, et il y a cette idée de rédemption qu'on va pouvoir trouver plus tard. Donc, c'est-à-dire on traverse des épreuves et tant que on croit, il y aura toujours une lumière au bout du tunnel. Donc ça, c'est leur choix à eux, c'est-à-dire pour ceux qui sont croyants, je veux dire.
ces trois personnages-là s'accrochent à ça. C'est-à-dire, elles vivent des choses très, très dures, mais elles se disent que ce sont, comment dire, des épreuves. Elles vont pouvoir y arriver, elles vont pouvoir y arriver. C'est ce qu'on trouve. C'est dans la littérature religieuse, on trouve ça, mais vraiment partout, dans toutes les religions. Pour un auteur, il suffit d'être en empathie avec ces auteurs-là, et puis on peut être de toutes les religions. J'ai hérité de mon enfance une culture très religieuse, et même si aujourd'hui, c'est pas dans ma vie, mais au moins ça m'aura servi à avoir cette empathie-là, et à comprendre et à lire encore une fois ces textes religieux qui sont souvent très très riches et divers et souvent bien écrits aussi, quoi. Avec beaucoup, beaucoup de tragédie et de cruauté parfois là-dedans. On peut parler toutes les langues qu'on veut, et on peut parler qu'une seule langue aussi. Il y a une chose qui est importante en tant qu'écrivain, c'est de trouver sa langue. Et cette langue-là, même si je suis monolingue français ou créole ou je ne sais pas quelle autre langue, à un moment donné, la langue française que je vais écrire ne sera jamais celle de l'individu lambda qui est à côté de moi, parce que cette langue se nourrit de ma sensibilité d'être humain, et cette langue se nourrit de mon éducation, donc ça va faire quelque chose d'unique. Donc pour tout écrivain ou écrivaine, il s'agit de trouver sa langue, de trouver sa voix VOIX, VOIE aussi, mais sa voix VOIX. Et le fait de parler d'autres langues permet de s'ouvrir à d'autres univers aussi, même s'il y a de plus en plus de très bonnes traductions, et de trouver d'autres musiques. Moi, il m'arrive parfois, ayant vécu dans d'autres pays, de penser à une chose et qui ne me vient pas directement en français. Donc ça me vient dans l'autre langue. Et du coup, je n'arrive pas à trouver l'équivalent en français, et je finis par faire une phrase, une métaphorique forcément, pour rendre l'idée. Je suis dans une, ce que je pourrais appeler une forme d'opération traduisante de ce que je connais dans une autre langue. Et ce qui m'amuse souvent, justement, dans les langues, c'est les différences qui peut y avoir entre les dictons. Les métaphores ne sont pas les mêmes, et ça, c'est souvent très, très intéressant. Le fait de connaître d'autres langues, forcément, ça nous nourrit, mais ça apporte surtout une musique différente. Et tout ça va faire en sorte que l'écrivain que je suis doit trouver sa propre musique et sa propre langue, en fait. Mais ce n'est pas parce que je connais d'autres langues que j'arrive à ça. C'est un problème qui se pose à tous les écrivains. On est en train de faire naufrage. Notre bateau se trouve à 65 miles au sud de Lampedusa. On est en train de faire naufrage. Faites vite. Notre bateau est en train de mourir. À 65 miles au sud de Lampedusa. On est plus de 700. Il y a beaucoup de femmes et d'enfants parmi nous. Certains sont déjà morts. On est plus de 700. Il y a beaucoup de femmes et d'enfants parmi nous. Certains sont déjà morts. Le vendredi 18 juillet 2014, sur le coup de 12h45, le capitaine du pétrolier danois Torm Lotte, le commandant Peter Sams, intercepta un SOS émanant des autorités portuaires italiennes. Un chalutier avec près de 750 migrants à bord, dont plus d'une centaine d'enfants, est en grande détresse dans les eaux entre Malte et la Libye. Des dizaines de morts sont déjà signalées parmi les passagers. L'ensemble des rescapés du chalutier se trouvait désormais à bord du Torm Lotte. Au total, l'équipage du pétrolier avait secouru 569 migrants originaires d'Afrique subsaharienne, du Maghreb, du Moyen-Orient et de la péninsule arabique. En dépit de l'état d'épuisement extrême, des rescapés improvisèrent un chant de remerciement à l'adresse aussi bien des secouristes que de leur dieu. La chanson transperça la nuit de la Méditerranée, réduisant au silence les vents et les vagues. La mer même s'apaisa, comme apprivoisée par la mélodie. D'autres n'en eurent pas la force, sinon pour pleurer de fatigue, de peur. De joie aussi, sans doute. Ils touchaient leur rêve du doigt. Plus tard, lorsque tout ce petit monde serait au sec, à l'heure des interrogatoires et des recoupements d'informations, on saurait que 181 voyageurs de l'espoir manquaient à l'appel.
Est-ce que c'est la trace de cet engagement dont je parlais au début et qui reste là? Mais à l'intérieur de cette tragédie, il y a toujours ce qui m'émeut, moi, en tant qu'être humain, c'est quelque chose de plus positif, j'ai envie de dire. Et c'est le fait pour un être humain de tendre la main à d'autres êtres humains. C'est le fait qu'il y ait une forme de générosité qu'on va trouver au milieu, justement, de cette tragédie-là. C'est peut-être aussi, de manière inconsciente, l'envie de changer les choses, d'offrir aux individus que nous sommes, hommes et femmes, un destin un peu meilleur. C'est-à-dire que si on n'a pas choisi, en tant qu'être humain, de naître, et on est sur Terre, comme on dit, avec une vie à assumer, pour laquelle il faut se battre. On se bat pour cette vie, pour la nôtre, mais on se bat aussi pour les générations futures, les générations qui passeront après nous. Donc forcément, les tragédies nous disent des choses des générations passées, de leur combat pour améliorer le destin des êtres humains que nous sommes. Et bien, à moi de reprendre un petit peu le flambeau. Au départ, on ne sait pas où on va. On croit savoir. Au départ, on se dit que tiens, j'aimerais aller à tel endroit. Et puis on se rend compte que, à cause des rencontres, quand je parle de rencontres d'êtres humains, mais je parle aussi de rencontres littéraires. Et puis on se rend compte que le chemin qu'on croyait et qu'on voulait prendre, eh bien, ça va bifurquer, ça va nous amener vers quelque part d'autre, hein, en fait. Et ce qui est intéressant aussi dans ce métier, c'est justement cette. Elle n'est pas écrite d'avance. Il n'est pas écrit, pardon, d'avance. Et on découvre au fur et à mesure qu'on vit, et c'est ça qui a, j'ai envie de dire, d'agréable, hein, en fait. Et on ne s'ennuie pas. Du moins, moi, je ne m'ennuie pas, parce que je découvre au fur et à mesure. Et le processus est le même quand j'écris, par exemple. Et je découvre au fur et à mesure ce que je suis en train d'écrire. Et ça peut changer. Le personnage peut m'amener vers autre chose. Au départ, j'avais peut-être une idée en tête, et puis le personnage m'amène ailleurs. Donc, je suis dans la découverte permanente, et du coup, je ne m'ennuie pas du tout. Je suis responsable de la bibliothèque municipale de Saya. Alors, je suis Mylène Béal, je travaille à la médiathèque des Jardins de la Culture. Je fais partie donc du territoire communautaire Rion, Limagne et Volcan. Et je m'occupe de l'action culturelle et notamment donc des grands espaces littéraires, puisque Pascal nous a proposé de rejoindre donc le projet des grands espaces littéraires en 2018. Les grands espaces littéraires sont nés en 2009 avec d'autres collègues bibliothécaires. Les bibliothécaires donc de Vic-le-Comte, de l'Association des bibliothécaires du Livre de la Forez, de la communauté de communes des Chères. Et on avait comme volonté de parler effectivement des grands espaces physiques en littérature, mais aussi des grands espaces qui représentent la diversité des cultures, la diversité des histoires. C'est avec grand plaisir que nous avons accueilli en 2018 l'auteure argentine Elsa Osorio, puis nous avons accueilli en 2019 l'auteur irlandais Paul Lynch. Une rencontre des grands espaces littéraires se passe donc de la manière suivante dans nos bibliothèques. On commence toujours par lire un extrait d'emblée de l'auteur invité. Après suit donc une mise en scène de lecture faite par une compagnie de théâtre. Et ensuite une interview par le public et par la bibliothécaire. Des questions sur des questionnements donc sur l'œuvre de l'auteur, mais aussi sur le travail de l'éditeur. Puis un grand moment de convivialité autour d'un pot et des dédicaces de l'auteur avec les livres réunis et vendus par un libraire de Rion sur le lieu de notre rencontre.
Alors, ce qui m'anime quand nous recevons les auteurs et les éditeurs, et en amont le temps de préparation donc, avec Pascal, c'est cette découverte de, d'autres pays, d'autres histoires, d'autres cultures. Et ce que j'aime particulièrement, c'est la petite histoire dans la grande, c'est-à-dire qu'on apprend à travers, on suit les personnages, on est bien dans des œuvres de fiction, mais il y a toujours un fond historique important, en tout cas dans les trois derniers auteurs qu'on a eu la chance d'accueillir. Comme par exemple avec Louis-Philippe d'Alembert, je ne savais pas du tout que Haïti était une terre d'accueil pour le peuple juif. C'est également ce qui m'anime, c'est le travail en partenariat avec une bibliothèque du territoire, du réseau de lecture publique. Ce qui m'anime aussi, c'est cet enrichissement et cette valorisation de nos collections et également la promotion. Donc c'est notre cœur de métier, on est bien là pour promouvoir le livre et la lecture, les différents acteurs du livre. Et je trouve que cette manifestation est vraiment... Au cœur de cette préoccupation-là. La maison d'édition Sabine Vespizer existe depuis 2002. C'est une ligne éditoriale que j'apprécie et que j'ai envie de transmettre à mes lecteurs. À son catalogue, elle a beaucoup d'auteurs que j'aime autant en français qu'en auteur étranger. Et en 2011, c'était entendu avec elle qu'elle venait avec l'auteur britannique d'origine pakistanaise, Tariq Ali. Et finalement, ils n'ont pas pu venir. Et donc, ça a été un rendez-vous raté. Donc, quelle joie cette année, en janvier, je crois, d'avoir une réponse favorable de Sabine Vespizer pour participer à notre manifestation et qu'elle nous propose l'auteur, donc Louis-Philippe d'Alembert. La maison d'édition Sabine Vespizer éditeur a été créée il y a presque 20 ans. Avant de créer ma propre maison, j'avais fait mes arts aux éditions Actes Sud, où j'avais appris mon métier. J'ai eu envie de voler de mes propres ailes, de publier moins, de publier mieux, dans la mesure où moi, un éditeur au sens anglais du terme, c'est-à-dire la personne qui s'occupe du texte, moins un éditeur a de textes par an à publier, mieux évidemment il va pouvoir s'en occuper. Par ailleurs, j'avais envie aussi d'apprendre et de connaître tous les autres métiers qui sont nécessaires pour une maison d'édition et de devenir aussi publisher, c'est-à-dire chef de maison. Donc je publie peu pour pouvoir au mieux accompagner mes livres et je regrette bien de n'avoir pu accompagner Mur Méditerranée avant que les ombres s'effacent et leur auteur dans votre beau pays. Mais voilà, déjà bien contente de pouvoir vous parler grâce à la caméra. Alors en 2020, le format est un format particulier puisque vu le contexte sanitaire lié donc à la crise du coronavirus, nous n'avons pas pu recevoir Louis-Philippe d'Alembert et son éditrice Sabine Vespizer. C'est pourquoi notre souhait a été de réaliser un film documentaire qui permettait de mettre en valeur le travail de cet auteur-là et également donc de son éditrice. J'ai commencé, justement, comme vous l'avez dit, par la littérature. C'est-à-dire que j'ai commencé par la poésie, je continue d'en écrire et d'en publier. Je suis passé aux nouvelles et puis aux romans. Donc le journalisme est arrivé entre les deux, c'est-à-dire entre la poésie et le roman. Et c'est vrai que j'ai travaillé pendant un certain temps comme journaliste, même assez longtemps d'ailleurs, et je me suis rendu compte à partir du moment où j'ai embrassé pleinement et le métier d'écrivain qu'il n'y avait pas de place pour les deux, et, du moins dans ma vie. Moi, je n'arrive pas, comme certaines personnes, à gérer les deux activités de manière parallèle. J'ai besoin surtout, quand j'écris un roman, c'est en ce qui me concerne du moins, c'est un genre très très exigeant et assez jaloux, j'ai envie de dire, et qui n'accepte pas de rivalité presque. Et du coup, je n'arrive pas à mettre dans un coin de ma tête le roman pendant X heures dans la journée, et puis pendant X autres heures, je fais autre chose. Non, c'est-à-dire que quand je suis dans l'écriture d'un roman, et j'y suis prêt,
m'intéresse ce que j'ai envie de dire 24 heures sur 24. Je peux faire n'importe quelle autre chose, mais il va y avoir un mot, une phrase qui va me ramener au roman que je suis en train d'écrire. Donc, du coup, j'ai tout abandonné et je me suis consacré uniquement à la littérature et au roman en particulier. Le logo de la maison d'édition est en effet une licorne hissante, comme ça. C'est pas du tout un hasard. Ça tombe bien parce que c'est le symbole du rire, de la pureté, de plein de choses sympathiques. Et les licornes sont devenues très à la mode bien après que nous l'avons adopté comme logo. Mais il se trouve aussi que c'est l'emblème de la famille Lennart et que j'ai créé cette maison avec mon mari et associé Jacques Lennart. Nous sommes deux simplement à avoir investi, donc il y a donc une maison totalement indépendante dont la licorne porte fièrement les armes. La maison donc avait pour objectif et s'y est tenue de publier 10 livres par an. Nous arrivons donc dans la 19e année et nous sommes à 190 titres, donc ça c'est un pari tenu. Moi je suis ancienne professeure de lettres classiques, donc le fond, la forme, c'est quelque chose qui m'intéresse et évidemment que j'ai à cœur de répercuter dans mes choix éditoriaux, c'est-à-dire qu'un texte simplement bien raconté, une belle histoire m'intéressera assez peu quand il n'est pas transformé par une écriture qui est vraiment le médium des écrivains. Hein. Je suis très attachée à ce que la langue française soit travailler de manière à créer du sens. Et cela nous amène évidemment au profil de mon catalogue qui est en effet très ouvert sur le monde. Alors je publie de la littérature en français, majoritairement quelques auteurs traduits, dont des Irlandais, Edna O'Brien, Claire Keegan, Noëlla O'Fallon bien sûr. Mais dans cette littérature écrite en français, j'ai très à cœur, je suis très intéressée par la littérature française qui s'écrit ailleurs que sur le territoire français, ailleurs que dans l'Hexagone, par cette littérature française qui est complètement contaminée par d'autres imaginaires, voire d'autres langues. Ce qui nous amène évidemment à cette île miraculeuse pour la création littéraire et pas seulement d'ailleurs pour la création artistique qu'est Haïti, où en effet la langue française est bien évidemment travaillée à la fois dans une histoire de la littérature haïtienne. Hein. Je rappelle que Haïti est la première colonie à s'être affranchie et est indépendante depuis 1804, donc il y a une littérature haïtienne du 19e siècle qui est le terreau dans lequel puisent Yannick Lahens, Louis-Philippe d'Alembert. Et puis, au quotidien, quand on est à Port-au-Prince, ce n'est pas le français qu'on entend, c'est le créole. Hein, Louis-Philippe écrit de la poésie en créole. Dans les textes de Yannick Lahens, il y a des mots créoles, comme d'ailleurs dans les romans de Louis-Philippe. Et ça, je trouve ça extrêmement riche, parce que la langue française a réputation de ne pas être très plastique, mais en fait elle l'est. C'est-à-dire que quand des Haïtiens ou des Libanais, comme dit Maha Abdallah, s'en emparent, ou des Belges, comme dit Anne Meur, on arrive à un son assez différent de ce qu'on peut entendre chez un écrivain français de l'Hexagone, comme Michel Lèbre, par exemple, que je publie aussi depuis des années. J'ai commencé à publier de la poésie, donc j'en ai publié en 2017, un recueil, En marche sur la terre, et je viens d'en publier un autre là, et en 2020, donc Cantique du balbutiement, les deux chez le même éditeur, aux éditions Bruno Doucet. Donc je recommence à publier de la poésie. Pour moi, la poésie, c'est un petit peu comme le roman aussi, il fallait trouver et un éditeur ou une éditrice avec qui faire un vrai bout de chemin, ne pas m'éparpiller à droite et à gauche tout le temps. Donc là, je pense l'avoir trouvé pour les deux genres. Et à partir de là, je continue d'écrire. Mais il est vrai aussi que vivant que de littérature et pas d'autre chose, donc il est moins difficile, je ne dis pas plus facile, il est moins difficile de vivre du roman que de la poésie. Donc l'essentiel de mon temps, je le consacre donc au roman forcément, mais tout en écrivant régulièrement de la poésie. Et puis au fur et à mesure, j'en publie. Et puis comme c'est un genre, c'est une écriture beaucoup plus fulgurante pour moi.
du moins. De temps en temps, j'écris des textes qui sont là, qui sont et dans mon ordinateur. Et après, il faut faire un travail de rassemblement et pour pouvoir faire un recueil qui tienne la route, qui ne soit pas un recueil un peu éparpillé. J'aime bien que dans un recueil, il y ait une thématique quelque part. Et dans le dernier, Cantique du balbutiement, c'est plutôt l'enfance qui ressort. Donc, et voilà. Mais c'est vrai que l'essentiel du temps, les trois quarts du temps, sont consacrés et au roman et pas à la poésie. Moi, ce qui m'intéresse dans la littérature, c'est qu'elle ouvre des portes, c'est qu'elle ouvre des fenêtres. Alors, il se trouve qu'on me fait souvent remarquer que mon catalogue est essentiellement féminin. Alors, ce n'est pas vrai pour Louis-Philippe d'Alembert, mais c'est vrai en général. C'est évidemment quelque chose que j'assume totalement, que je n'ai pas revendiqué a priori. Mais il se trouve que les femmes écrivent beaucoup sur la liberté, sur cette manière dont nous sommes toutes obligées de crever les plafonds de verre, et ça existe encore. Et il se trouve que dans la société irlandaise patriarcale, catholique, etc., les plafonds de verre sont assez bas. Donc, toute cette génération d'écrivaines, d'autrices, dont d'une certaine manière Edna O'Brien est un peu la figure de proue, dans la mesure où déjà elle est née en 1930, elle a été suivie par Noëlla O'Fallon qui était née en 40 et qui hélas est morte depuis 2008, et puis Claire Keegan en effet, et bientôt Jeanne Carson qui sera une nouvelle auteure que je publierai l'année prochaine, sont des femmes qui ont très présentes et très chevillées au corps l'idée qu'il faut qu'elles s'affranchissent de quelque chose. Et si vous lisez le tout récent roman de Claire Keegan qui s'appelle Ce genre de petite chose, elle le place dans un contexte des années 85 et de la bonne action d'un homme généreux pour aller tirer une jeune fille désemparée des griffes des Magdalene Sisters, enfin en tout cas de ces religieuses qui ont fait un commerce des enfants nés sans père et qui ont exploité de manière éhontée les filles mères, hein, comme on les appelait à l'époque, en les faisant travailler à de la blanchisserie. On en parlait tout à l'heure par mail parce qu'elle venait de m'envoyer une nouvelle qu'elle vient de finir et je suis souvent sa première lectrice en anglais. Elle me disait, tu sais, moi j'ai appris à penser comme un homme parce que j'ai été entourée d'hommes dans une société patriarcale. Et je crois que ça c'est une composante très importante de la littérature féminine irlandaise. Moi j'ai grandi dans un village alsacien et j'ai vu ça. Ring the bell, comme on dit en anglais, ça, voilà, ça éveille quelque chose en moi, une révolte, une colère sourde que ces femmes mettent magnifiquement en exergue dans leurs livres. Quand j'écris, je ne pense pas à un public, justement, en particulier. J'écris en fonction, bien entendu, de mes propres questionnements, de mes propres interrogations et par rapport à l'envie d'écrire, de ce que j'ai envie de dire, tout simplement. Et puis maintenant, que a posteriori ce public-là s'intéresse à ce que je fais, j'en suis d'une part flatté, et surpris d'abord parce que mon écriture, c'est pas une écriture d'après ce qu'on me dit qui n'est pas toujours facile, entre guillemets. Donc que ce public-là puisse s'intéresser à ce que je fais, ça me flatte. Et puis quelque part, ça représente aussi pour moi, pas uniquement pour moi en tant qu'individu, mais je veux dire, et ça représente l'avenir. En fait, que les jeunes puissent lire, surtout à un moment où on est beaucoup dans les textes courts, dans les phrases minimalistes, dans les textos, etc. Donc que des jeunes lycéens puissent prendre du temps pour lire un roman de plus de 300 pages, et forcément, ça me... J'en suis heureux, même. Je dirais que c'est une forme de bonheur pour moi. Alors, en fait, on touche vraiment plusieurs public parce que on a effectivement les publics de nos bibliothèques, mais aussi les publics de notre territoire, parce qu'il y a quelquefois des gens qui ne viennent pas à la bibliothèque de Saya, mais qui viennent à chaque rencontre littéraire des grands espaces à Saya. Les rencontres aussi se font à l'université. Donc là, on rencontre des étudiants.
Et puis dans un lycée, donc on rencontre des lycéens et aussi dans les librairies. Dans les librairies à Clermont généralement. La question de la catastrophe du confinement, écoutez, mon chiffre d'affaires a chuté de 95% pendant le premier confinement. Pour une raison assez simple, et là la difficulté est grande aussi, bien que les librairies soient ouvertes, moi j'ai besoin du conseil des libraires. C'est-à-dire, alors, bon, dans le premier confinement, les librairies étaient fermées, donc il n'y avait pas de sujet. Là, et on a quand même observé au moment du déconfinement qu'il y avait une très forte polarisation du marché sur les best-sellers, hein, sur les livres dont tout le monde parle. Chose qu'on observe là pendant ce deuxième confinement avec les librairies entrouvertes. Et c'est là que la fermeture de ces commerces de proximité est une catastrophe, parce que c'est une catastrophe pour des libraires qui évidemment arrivent dans le meilleur des cas à réaliser 30 ou 40% de leur chiffre d'affaires, mais avec la totalité de leur personnel. Donc vous imaginez ce que ça peut signifier en termes économiques. Mais c'est aussi une catastrophe pour toute la chaîne de la création. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les libraires qui assurent 40% de leurs chiffres avec le cliquer et collecter le font avec trois livres. Claire Keegan, dont le roman est sorti le 5 novembre, a beaucoup de mal, alors que d'habitude c'est un auteur qui remporte tous les suffrages, a beaucoup de mal à être commandé, parce que précisément les libraires ne sont pas là pour dire qu'elle existe, qu'il faut la lire, pour transmettre un conseil avec voilà, des étoiles dans les yeux et un vrai enthousiasme. Ils le mettent sur leur site, mais c'est absolument pas pareil. Donc en effet, l'impact est considérable. Alors, sur le monde de la culture en général, sur le monde de l'édition un peu moins que, évidemment, pour le spectacle vivant, pour le cinéma, mais tout de même, parce que précisément ce sont les plus fragiles qui sont touchés. Et ça, c'est jamais une bonne idée dans un monde où l'industrie commence à gagner de plus en plus. De même que le 11 septembre a vraiment nourri la création, mais que les grands textes sont arrivés bien plus tard, hein, 4 ou 5 ans après, je crois qu'en littérature, il faut vraiment le temps de l'ingestion, de la digestion, comment ces événements transforment un écrivain et comment lui-même le transforme en œuvre, enfin en livre, quoi, en littérature. Un texte, quel qu'il soit, va nous parler en fonction de nos sensibilités d'être humain et va nous apporter un certain nombre de choses et en fonction de ce que nous sommes. Et ça va avoir résonance ou pas en nous. Et la manière de dire, hein, c'est pas tellement l'histoire que la manière de dire de l'écrivain ou de l'écrivaine va nous toucher ou pas. Il y a des livres qu'on nous dit parfois, ah, c'est des chefs-d'œuvre absolus. Et puis, on va lire ce livre-là, ce livre ne nous parle pas. Donc, je dis qu'il faut avoir lu le plus possible, justement. Donc, à partir du moment où on lit le plus possible, on va forcément, c'est humain, faire des comparaisons. On va affiner son goût, on va affiner sa sensibilité. Et puis, à partir de là, on va dire, mais ce que, là aussi, mais j'appelle affiner son goût, sa sensibilité, ça veut dire se rapprocher le plus possible de celui ou de celle qu'on est. C'est-à-dire de trouver sa propre musique, et ce qui nous parle le plus. Hein, en fait, c'est comme dans les relations amoureuses, par exemple. Et on va voir deux personnes ensemble, on va dire, mais qu'est-ce qu'elle lui trouve à ce type-là, ou qu'est-ce qu'il lui trouve à cette femme-là. Et pourtant, c'est cette alchimie-là qui va se créer, c'est la même chose, et je pense. Et il y a peut-être des livres formateurs, au-delà de leur portée idéologique, je dirais, un livre qui est plusieurs livres comme la Bible, ou le Coran, ou la Torah, ou tout ça, ça nous apprend énormément de choses, si on arrive à avoir de la distance par rapport au discours idéologique. Et qui a un discours souvent exclusif, intolérant, ou tout ce qu'on veut pour toutes ces religions-là. Mais quand on les prend en tant qu'histoire, et on apprend beaucoup,
Il y a de tout, il y a des tragédies, il y a des histoires d'amour, il y a et de la poésie, il y a de tout. On finit par apprendre un certain nombre de choses. Mais encore une fois, je crois que plus on lit, mieux c'est. Et peu importe ce qu'on lit, j'ai envie de dire parfois.